nous avons déjà un site d'évacuation au niveau de la Grande Barrière et qui respecte les circuits du ministère de la Santé, c'est-à-dire quand la personne est déjà sensibilisée, elle est déjà convaincue, elle passe d'abord au circuit des vaccinations où nous avons d'abord à l'accueil où on pourra l'expliquer les bienfaits de la vaccination, les types de vaccins qui sont au niveau du site de vaccination. Nous avons 5 types de vaccins. Alors la personne va choisir elle-même le type de vaccin dont elle veut. Après, elle va passer à la consultation où on va faire une consultation pré-vaccinale. Le médecin qui pourra le consulter, il va décider si la personne est éligible à la vaccination. Une fois que la personne est éligible, alors elle va passer et elle sera vaccinée. Une fois que la personne est déjà vaccinée, elle va passer chez les data. Nous avons des data et il sera enregistré. Alors, une fois qu'on aura enregistré, il y a les data qui pourra maintenant envoyer les données au niveau du serveur à Kinshasa pour que la personne puisse avoir sa carte QR. La personne peut l'avoir en version électronique. Nous avons une imprimante où on peut directement imprimer la carte et la personne peut partir avec la carte. Mais quand la personne a déjà la carte, elle doit observer au moins 15 minutes où on doit voir si elle ne va pas développer quelques MAPI, donc les manifestations post-vaccinales. S'il n'y en a pas, alors la personne peut continuer avec son voyage sans problème.